Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. La famille, on passe à la panique news. Oh, ouais, c'est la panique. Ah, non, ça fait peur. Les news, la panique. J'adore la panique. Alors Néo, tu as ta coupe par là. Où est ta coupe à Néo? Elle est là. Néo, le gagnant de la semaine dernière. La famille, ça s'applaudit. Magnifique coupe. Je rappelle le principe de la panique news. À tour de rôle, les chroniqueurs vont donc me proposer une news insolite qui les a marqués cette semaine. Une news qu'ils ont donc choisie. Et c'est moi qui choisira la news qui mérite le plus d'être débattue. Et d'ailleurs, attention, nouveauté, la famille, cette semaine. On a décidé de pimenter un peu les choses. Puisque sachez qu'un chroniqueur autour de la table va essayer de nous mettre ce qu'on appelle dans le jargon une... carotte. Ah oui, ben voilà. Il y a eu un double K. Il y a eu carotte. Un petit rototo au milieu. Donc une carotte avec une news complètement bidon. À vous donc de jouer les détectives. À vous d'être bon, la famille, et de trouver le nom du chroniqueur. Il y en a un qui va mitonner, exactement. Okay. En attendant, on va démarrer comme d'habitude. Je rappelle que la semaine dernière, c'est Néo qui a remporté la coupe de la panique news. Va-t-il la garder? Va-t-il devoir la céder? La réponse, c'est maintenant. Maintenant. Ah. Et on démarre donc cette nouvelle panique news avec Sarah. Bretagne, un moniteur d'auto-école dealé pendant ses heures de conduite. Merci Sarah, on enchaîne avec Néo. Gastronomie, une famille hospitalisée après un gâteau fourré avec l'équivalent de 30 joints. Très sympa, excellent. Ma Flora, c'est à toi. Londres, à 88 ans, il met KO 4 hommes armés pour défendre une inconnue. Pas mal, original. On passe à Julien. France, la première maison close de dames de voyage vient d'ouvrir. Des promesses, toujours des promesses. Dames de voyage, c'est poupées gonflables, hein, qu'on soit évidemment d'accord. Ça n'a rien à voir avec le gitanisme. Merci. Fidèle à toi-même, Julien, merci. On continue avec Alexandre. Élysée, David Guetta pressenti pour remixer la Marseillaise pour le mondial de foot. Ça, c'est encore une idée de Manu que je connais bien. Ma Rachel, on termine avec toi. Autriche, un avion obligé d'atterrir en urgence à cause des pets d'une passagère. Du bruit, la famille, c'est du beau travail. Bravo à tous. Très, très, très sympa. Merci pour la musique. C'est du beau travail. C'est très drôle. Alors, la famille, seconde nouveauté ce soir. Merci à tous pour vos news. Seconde nouveauté ce soir pour que je me fasse, et on fera ça toutes les semaines, pour que je me fasse une idée un petit peu plus précise de votre news. Mm-hmm. Vous allez chacun avoir 30 secondes et pas une seconde de plus pour développer votre news insolite et donc augmenter vos chances de victoire. 30 secondes et pas une seconde de plus. Il y aura donc une musique... qui sera mieux faite que moi, puisque c'est un vrai mec qui le fait derrière chez lui. Attention, on y va, on démarre avec Sarah, ma chérie, attention, top. Donc, il s'agit d'un moniteur d'auto-école qui a été arrêté par la police, donc à Saint-Brieuc, en province, dans le trou perdu. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait pendant ses heures de conduite? Eh ben, il vendait de la cocaïne, du shit, ce qui a aucun... Enfin, quand t'es censé conduire, c'est complètement ridicule. Oui. Mais moi, je trouve ça cool, parce que je me serais servi de cette excuse pour dire au mec, tu me donnes le permis, connard. Et du coup, il me l'aurait donné, et je lui aurais dit, si tu me le donnes pas, je te dénonce. Mais bon, c'est dommage. Ils n'ont pas profité. Alors, tu peux couper la musique. Elle l'a fait en 8 secondes. Alors, génial. Je vais vous dire. C'était génial. Merci, Sarah. En plus, elle a pensé. Bravo, mais écoute, Sarah. Si jamais quelqu'un deal en auto-école, Sarah est là pour. Elle a eu le temps de donner son opinion en 8 secondes. C'est génial. C'est ça. Elle a eu le temps de donner son opinion, d'acheter du maquillage. Enfin, c'est une femme pressée. Merci, ma Sarah. T'es au top. On va passer donc à Néo qui va nous détailler sa news. Top chrono. Alors, moi, ça se passe dans le Val-de-Marne pour les 50 ans d'une maman de famille en fait. Donc il y avait la maman, le papa, les enfants et l'ami d'un enfant qui était super poli, donc qui a ramené un gâteau au chocolat. Donc le repas s'est bien passé, hein, coquillet de jambon. Mm-hmm. Et puis à ce moment-là, il arrive le moment gâteau, du dessert. Ouais. Donc tout le monde a des bras, tout le monde a du chocolat, mais tout le monde commence à être malade. Donc vomissement, hallucination, tremblement. Ils vont aux pompiers, ils vont à l'hôpital. Et là on s'aperçoit, donc le gars est obligé de dire qu'il a aromatisé avec c'est l'équivalent de 80 euros de... Donc voilà, la boulette. 80 euros de oui. Pile sur le gong, la boulette. C'est de la grosse boulette. Hein, comme ma mère qui dit, c'est quoi ce trou là? C'est un trou de boulette. Non maman, non. Ça n'a rien à voir à part les boulettes du couscous. Merci mon Néo. Donc une news quand même, l'équivalent de 30 joints quand même dans le gâteau. C'est donc énorme. C'est vrai que pour les enfants, les gens qui sont pas habitués, quand même 30 joints. Ça et puis, puis j'ai envie de dire, fais tourner bordel. Mais c'est comme ton chien. C'est comme mon. Ton chien il a bouffé une boulette de shit. Oui voilà, donc ça sous-entend que j'ai donc du shit chez moi. Hein. Non, il y a un ami qui est passé. Oh. C'est chaud ça non. Vous savez c'est Rachel, hein, c'est pas grave. Est-ce que tu veux parler de la fois où il a léché le trait de cocaïne à ma place?
Ça, c'était un mercredi après-midi. Merci du bruit pour Rachel qui n'en loue pas une. Ah ouais, regarde en régie, ils sont en train de, signer les contrats de démission. Il est en train de s'immoler par le feu, John Valjean, il est au fond. Ah non, mais c'est celle-là, elle est magique. Entre s'immoler par le feu et John Valjean, on est bon. John Valjean, sans déconner, c'est la résistance. C'est la résistance. C'est pas bien grave, vous savez, c'est pas bien grave. Merci, ma Rachel, vous me ferez me penser quand même à changer de pays. Merci en tout cas, Néo, pour cette news donc autour du cannabis. On va passer à Julien qui a une news un petit peu sexuelle. Du coup, comme d'habitude, à 21h15, il a le droit. Tout de suite, top chrono. On attendait ça depuis 60 ans, la réouverture des maisons closes. Dans un antre secret du 14e arrondissement, les clients peuvent s'offrir une relation tarifée de 89 euros pour une heure et un supplément de 19 euros pour un casque VR. Pour ce prix, là, vous aurez un choix multiple de 16 dolls. Une vraie fausse fille en silicone qui accepte sans broncher de se laisser importuner. Une vraie poupée gonflable qui vient du 17e siècle, on l'appelait dame de voyage. Pour les marins, car les femmes portaient malheur sur les bateaux. Ils ramenaient une poupée qui se passait entre eux, avec les maladies, bien sûr. Et on pouvait aussi l'appeler la femme du capitaine. Qu'est-ce qui prenait la femme ? Capitaine, merci mon beau boy. Vous le voyez, c'est une histoire qui date. Ouais. Et c'est vrai que Julien, quand il drague les nanas, il aime bien mettre un petit côté historique, tu sais. Tu te rappelles quand Jean Valjean, 1615 Il a crié maman, c'est pas mal. Il y a plein d'expressions comme ça. Il y a plein d'expressions qui sont nées dans ces temps-là. On embrasse évidemment tous les pirates qui nous écoutent. On les embrasse très fort. On regarde un œil, les gars. Il nous regarde mal d'un œil comme ça. On enchaîne donc, merci Julien. On va enchaîner avec Alexandre. Alors, la news d'Alexandre était aussi insolite, puisque encore une décision d'Emmanuel Macron qui veut moderniser le pays. David Guetta pressenti pour remixer la Marseillaise pour le mondial de foot. J'en profite pour vous rappeler que c'est Valéry Giscard d'Estaing, le dernier président, à avoir modifié la Marseillaise. Il a accéléré la Marseillaise pour ne pas en faire quelque chose de funèbre, mais plutôt quelque chose de joyeux. Moi, Alexandre, on t'écoute. Eh bien, comme vous le savez, cet été se déroulera du 14 juin au 15 juillet la Coupe du Monde de foot en Russie, et à cette occasion la FIFA a décidé d'innover et a demandé aux fédérations des nations qualifiées de fournir des versions plus modernes des hymnes nationaux qui seront joués avant chaque match. Et bien en France, le nom de David Guetta se murmure dans les couloirs de l'Elysée afin de proposer une version plus rythmée et plus fun de notre cher hymne national, lui qui avait déjà mixé lors de la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016 en France et qui en avait d'ailleurs composé la musique officielle. Ouais, exactement, merci ouais. Alexandre. C'est une rumeur, c'est pas encore une info définitive. Parce que Sarah elle était trop bien ta sauce, tu vends bien ta sauce. C'est encore. Merci moi Alexandre. Emmanuel Macron veut modifier tout ça. Il a envie d'être dans le modernisme. On le laisse de toute manière, même si on crie, il ne nous entendra pas. On va passer à Rachel. Ma Rachel, ça s'est passé en Autriche, dans un avion. Quelqu'un apparemment avait mal au ventre. Et puis, apparemment, il y a eu des décisions qui sont prises. Attention, top chrono. Une passagère multiplie les pets malodorants sur le vol Dubaï-Amsterdam dans la compagnie très connue Transavia. La succession de flatulence au parfum onctueux a rendu fou les passagers et là, bim, une bagarre explose. Et là, donc, le pilote a dû atterrir en urgence à Vienne. Les PO ont fait quand même intervenir la police et les quatre passagers ont dû être débarqués, messieurs, dames. Alors attention aux odeurs. Pas mal, Rachel. C'est un peu gros quand même. Pas mal. Le P c'est un peu gros comme histoire. Attends, tu rigoles, ça va arriver. Je croyais que tu parlais de la poitrine. Dubitative. Tu vas garder la parole, ma Flora. Tu vas à ton tour nous expliquer ta news. Alors, je rappelle ta news à 88 ans. Il met KO 4 ans armé pour défendre une inconnue. Pourquoi, comment, où est donc Ornicard? Top chrono. Oui, effectivement. Alors, ça s'est passé dans la banlieue de Londres. Donc, c'est une news international. Donc, c'est son nom. Il a fait fuir 5 hommes armés qui étaient en train d'agresser une jeune femme qui se faisait donc agresser pour qu'on lui, il voulait lui prendre son sac. Ouais. Le mec a 88 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quasiment 90 ans, presque 100 ans, quoi. J'ai fait une petite recherche. Et pour vous dire, par exemple, c'est Pierre Belmar, c'est Édouard Balladur, Philippe Bouvard. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si ces mecs-là. Tu m'as ému avec Édouard Balladur. Ouais, je sais, mais du coup, il a réussi à en mettre quasiment un KO. Il lui a fait un coup dans la nuque en mode ninja. Wow. Donc c'est incroyable. Merci Flora. Donc vous l'avez entendu, la famille, et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Si tout le monde est dubitatif et si tout le monde se regarde comme ça, un petit peu comme les pirates avec la longue vue qui voit mal, il y a un loup-garou. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a un loup, parce qu'il y a un enfant perdu, parce qu'il y a une feuille morte qui tombe d'un arbre, un gland qui s'échoue dans le trottoir, le gland qui tombe de l'arbre, évidemment. Il y a donc une carotte cette semaine, on vous l'a dit, chaque semaine ce sera pareil. Un des chroniqueurs nous a menti, a trahi toute l'équipe et la production la première, en nous mettant la grosse caca, la grosse ronron, la grosse teuteux. Alors rapidement autour de la table pour vous, qui nous a menti? Musique de suspense.
Julien, pour toi. Sans hésitation, je vais dire que c'est Rachel. Pour toi, c'est Rachel, le P. Carotte ce soir. Ma Sarah, c'est qui pour toi? Certainement pas Rachel. Moi, il y a quelqu'un qui pète, je le défonce. Julien ou. Allez, vas-y, je vais dire Julien. Julien, mon Néo. Flora. Flora, ah, c'est. Voilà. Elle a un peu trop vendu sa news. C'est éclectique. Elle commence faire des recherches de baladure et tout. Ouais, Alexandre. Moi, je trouve que l'histoire des paix dans un avion, c'est un peu gros quand même. Je vois pas un pilote se poser, donc pour moi, c'est Rachel. Donc pour toi, c'est Rachel qui fait le regard, qui fait peur, la bouche qui fait mal, les dents qui se déchaussent, tout ça, tout le bordel. T'imagines, regarde. Mais passe à la boutique, je te fais quelque chose. Passe à la boutique, je te fais un. Je peux prendre les pantoufles, prends tout. qui nous reste, ma Rachel? Bah moi, œil pour œil, dent pour dent, c'est Julien. Oh, c'est ce que je disais, tiens, vas-y, prends une dent et démerde-toi. Ma Flora, justement, dis-nous ton avis. Eh bien, moi, je vais à la contre-courant. Je pense que ce serait trop gros que ça soit Rachel, donc je vais dire Alexandre. Je me rétracte, Néo. Fais attention quand tu te rétractes, quand même. Mais la mienne, ils en ont parlé sur BFM. C'est une Sarah rétractable, en fait. Elle peut se. Tu sais, comme une poussette, en fait. Bon, on s'éclate quand même, hein, 21h22. On fait un peu de bruit parce qu'on s'éclate. Ouais, faites du bruit, on s'éclate. Alors la famille, on peut laisser la musique. Je ne poserai qu'une seule fois la question, que celui qui a la carotte la montre et se dénonce. C'était sûr. La bifle la carotte. La famille, tous ensemble. Je vous l'ai mis, je vous l'ai mis. Flora a gagné, Flora a trouvé. La famille, on fait un maximum de bruit pour Flora qui a trouvé. Bravo Flora. Et tu gagnes ma carotte. Et fais-en bon usage. Tu as une belle carotte. Et attention, d'ailleurs, alors Julien l'a léché tout à l'heure, je ne veux pas. Donne-moi là. Et franchement, je m'en doutais pour une chose, même si je suis nulle parce que. T'as dit trois noms, mais parce qu'il connaît toutes les news, Alexandre, donc c'était bizarre qu'ils disent que celle de Rachel soit fausse. C'est vrai, l'épée. Par logique, j'aurais dû dire, mais c'est lui. C'est bien, tu vois, que tu fasses un débrief de toi-même. Ouais. C'est bien. Faire des chacun ou pas la famille, la carotte, la semaine prochaine, on va écrire Panic News ici, réellement, parce que quand même, on a le budget, on a les stylos. Elle va pourrir. S'il te plaît. Sachez juste que ça faisait une heure et demie qu'elle était cachée dans mon caleçon. Faites un bon usage. Elle va devenir molle. Voilà. Effectivement, elle sent la carotte. Allez, je te la laisse, ma Flora. Alors, la famille, évidemment, maintenant que l'intrus est sorti, maintenant que l'intrus est démasqué, évidemment, il nous a quand même bien eu le chemin bien joué. Comme dirait mon ami Benoît Joubert, malin comme le lapin. Donc d'ailleurs, pas de remixage de la Marseillaise par David Guetta. Ah non, c'est une bonne nouvelle. Moi, je vous dis, c'est une bonne nouvelle parce que. Alors, on a. C'est pas possible. C'était tapé sur les doigts déjà. À Gainsbourg, c'était fait taper plus que sur les doigts, mais il avait été très bon, Gainsbourg, puisque les militaires étaient venus à son concert à Strasbourg et il s'était mis à chanter la Marseillaise normalement. Et donc, les militaires ont enlevé leur béret, sont mis comme ça et il les a eu, quoi. Donc, sacré Gainsbourg. Gainsbourg qui sera en concert la semaine prochaine à la Boule Noire. Maintenant, donc, on a éliminé la carotte, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et donc à la news insolite sélectionnée cette semaine. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, la famille. Celui ou celle qui gagne la Panic News ce soir est. À 88 ans, il met KO 4 hommes armés pour défendre la nation. C'est Flora! Et pour Flora! Elle mérite, franchement, elle mérite. Là, la Ligue des Champions, Flora, putain! Sans faute ce soir, Flora. Je suis d'accord, je n'ai jamais autant gagné. Hop, passation de pouvoir, mettez-vous au milieu. Allez, avec voilà, ta carotte. Passation de pouvoir. La carotte est bien placée. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ma Flora, un papy super-héros de 88 ans a donc sauvé une jeune femme qui était en train de se faire agresser, non pas par 4 hommes, comme depuis le début, mais 5. Ça, c'est beau. Il avait donc des super-pouvoirs. Ça se passe comment? Raconte-nous. Alors, non, pas des super-pouvoirs, mais effectivement, il avait un sacré vécu. Puisque, alors, je vais vous rappeler un petit peu les faits, même si je l'ai fait. C'était la semaine dernière dans une banlieue londonienne. Il y avait une jeune femme qui était en train de se faire agresser par donc 5 hommes armés. Par la plupart, pas tous, mais bon. Armés de quoi? De pistolet? À l'arme blanche. De couteau. Non, de couteau. À l'arme blanche. Et du coup,
ils étaient ou un en train pistolet de... blanc. Ça dépend. Ils étaient en train donc d'essayer de l'agresser pour prendre son sac. Alors c'est bon. D'accord. Et il faut juste savoir, non, parce que les chiffres sont assez hallucinants, qu'il y a des chiffres qui datent de 2016 et il y a près de 186 000 personnes qui ont déclaré avoir été dans la même situation et donc victimes d'une tentative de vol sous la menace de violence, ce qui est clairement énorme quand même. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et donc il y avait donc cette jeune femme qui était à deux doigts de devoir donner son sac quand là, elle a eu la chance de croiser ce super papy qui s'appelle John Nixon et qui n'est autre qu'un ancien vétéran, enfin qui est un vétéran de la guerre de Corée et ancien garde du corps de Médecins sans frontières. C'est vraiment un mec. D'accord, alors forcément, qui dit vétéran, tu viens de le dire sans doute, ça lui a pas fait peur au papy, il est allé dans la mêlée. Comment s'est passé ce sauvetage? Non, alors en gros, c'est très drôle parce qu'il a donné une interview dans un magazine anglais, un tabloïd, voilà, merci, chercher anglais. Et du coup, il disait que genre, quand il a vu la situation, le mec a usé de stratégie, il a dit ok, je vais détourner l'attention, je vais crier pour que Putain, comment on dit? Les agresseurs se retournent et se détournent de la femme. Ouais. Et là, il est arrivé, il a mis un coup dans la nuque au premier mec, KO, quasiment. Il a dit, il était inconscient. Et il a tellement. Il s'est mis à faire des espèces. Sur le dernier, il a fait bouh. Il a fait des catas. Le mec, il est arrivé, il a fait nuque ta mère. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la jeune femme, suite à ça, elle allait se cacher. Et lui, pendant ce temps-là, il a continué de genre faire des techniques et tout. Et il a tellement fait peur aux quatre autres mecs qui se sont barrés. Tellement le mec a eu l'air de s'y connaître. Et franchement, il a été très drôle parce que, genre, ils lui ont dit, mais monsieur, parce qu'après, il y a la police et tout qui est arrivé. Ils lui ont dit, mais monsieur, est-ce que ça va? 88 ans, le mec. Avez des coups de couteau? Non, non, c'est rien, c'est des égratignures et tout, poussez-vous. Et il a dit, la peur ne fait pas partie de mon vocabulaire, donc non, je n'ai pas. Chapeau! C'est beau. Et pour papy, allez! Merci Rachel. Ouais, ça ira parce que c'est chant créole à chaque fois. Que pensez-vous de cette histoire, la famille? On attend évidemment vos commentaires et vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Alexandre sur VL et autour de la table, je fais ce que je veux. Et autour de la table, c'est donc l'heure du débat, la famille. À la place du papy, qu'auriez-vous fait, vous, face à une agression de ce genre, Mararou? Alors moi, je vais vous dire, j'ai été victime d'une agression dans le train. Et j'en ai peut-être déjà parlé, mais ça me tient vraiment à cœur. Et personne n'a bronché. Personne. Tout le monde regardait et était spectateur, mais personne n'a bronché. Donc ce papy-là, il mérite une médaille. C'est vraiment du courage qu'il a eu face à ces quatre garçons ou quatre malfaiteurs de venir sauver la grand-mère. Moi, personne n'est venu me sauver. Donc bravo, le papy. On va parler, Marachel. C'est beau parce que c'est vrai que voilà, même à 45 ans, même à 30 ans, ça serait déjà beau d'être allé pour la sauver. Mais de faire ça à 88 piges, quand même, c'est encore tout. Mais en fait, pour lui, il n'a pas 88 ans. Quoi. Pour lui, c'est juste un sauveur, c'est juste un héros. Donc pour lui, il n'y a pas d'âge. Il a les techniques de combat. Après, c'est ça, il a le passif pour, mais c'est vrai que les gens, c'est horrible. Et c'est exactement ce que je voulais défendre. Je voulais caser ça. C'est que aujourd'hui, en France, tu te fais agresser. Enfin, voilà, comme toi, Rachel, j'en suis désolée, mais les gens ne bougent pas. Non. Et on entend aux infos tout le temps des mecs poignardés. Personne ne bouge, quoi. Non, personne. Mais c'est fou, peu importe l'âge, même des mecs hyper musclés. Je comprends pas, en fait. Ça vous ne me regarde pas quand tu dis mec hyper musclé. Je ne me sens pas concerné. Qui doivent bouger, on n'est pas tous. Mais c'est vrai, pour la plupart, ça ne bouge pas. Et ça s'est produit à l'inverse aussi. Il y a eu la même histoire avec une mamie. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Elle a vu En fait, c'était des braqueurs qui ont braqué une bijouterie. Ah oui, elle a frappé avec le sac. Elle les a tapés avec le sac. Ils sont partis en scooter. Ils ont eu peur quand le dentier est tombé. Ils ont fait Massara, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, moi je trouve ça bien. Vraiment, il a 88 ans. Il était quand même là. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour la bienveillance, surtout quand on pense être encore assez costaud pour pouvoir se battre face à des gens aussi stupides que ça. Et franchement, c'est des gens comme ça qui le manquent. Ouais. Moi personnellement, j'ai eu pas comme Rachel, mais j'ai un mec. J'étais dans le train. Il y avait un mec qui se branlait sur moi, mais vraiment avec la main à l'intérieur. Il a sorti ça. Il a sorti ça. Voilà. Et il y avait deux personnes à côté de lui. Alors cette personne, je la connaissais pas. C'était un ami apparemment de la personne à qui j'allais m'adresser au milieu. Et là, il y avait le mec qui se branlait. Et je vais voir la personne qui est là-bas. Je lui dis, oui, il y a le mec à ma gauche qui se branle sur moi. Je m'étais trompée. Elle dit, mais non, c'est pas possible, c'est mon mari et tout. Il se branle pas sur moi. Après, je lui dis, non, pardon, à ma droite. Ah, tu t'es trompée de garçon, d'accord. En fait, la boulette. Non, non, elle savait
s'avérer qu'en fait c'est les deux se toucher. C'était celui de la droite et ils ont rien fait en fait, ils l'ont laissé tout. Je me suis barré. Ben on se rappelle aussi de la news qu'avait nous avait dit Julien la dernière fois, un débat sexuel dans le RER. Ouais, on avait tous vu la vidéo avec la nana là entre les deux barres comme ça, avec la nana qui fait je vous conseille pas. Ah oui, je me rappelle de l'image. Mais là à Londres, ça m'était arrivé dans le bus. Un soir, je prenais le bus et il y avait un couple qui était en train de faire l'amour devant tout le monde et le bus était plein à craquer. Ouais, mais c'est hyper gênant et tu peux rien dire en fait. Mais ça, c'est encore autre chose, tu vois, parce que bon, ils font pas de mal entre guillemets. Vous savez, il y a des artistes partout. Moi, j'ai même vu un artiste mettre deux gens sur une grande toile par terre faire l'amour et après il mettait de la peinture pendant qu'il faisait l'amour et les deux ils kennaient vraiment. J'aurais dit mais c'est le nouveau verbe. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention dans le métro, dans les RER, parce que moi aussi à l'époque j'ai une histoire où pareil on est venu m'embêter et c'est vraiment faut faire très attention surtout les filles à partir d'une certaine mais heure. C'est horrible. Moi, tout seul. Bien sûr. Alors on passe à la question suivante, ma chérie. Elle est très bavarde, hein, Sarah, sur les choses de société. Elle va finir ministre, celle-là. Aujourd'hui, Flora en parlait il y a quelques minutes. Il y a encore plus de 180 000 personnes victimes d'agressions en France chaque année. Comment peut-on lutter, selon vous, pour faire diminuer ce chiffre, mon Alexandre Chemchou? Je pense. Mais bon, là, on rentre dans un débat politique. Mais je pense que la justice y est pour quelque chose. Il y a un manque de justice pour les délits, les petits crimes du quotidien. Un manque de moyens. Ça leur rapporte pas assez, c'est pour ça. Non, mais voilà, parce qu'on laisse des gens en liberté, beaucoup trop dangereux pour nous, pour la société. Mais oui. Mara Roux d'amour. Moi, j'ai vu des contrôleurs et maintenant il y a même des personnes pour la sécurité à la sortie des trains. Ouais. Et hier, j'ai été sur Paris et j'ai essayé de vaincre ma peur. Je n'y suis pas arrivée. Mais à la sortie du train, j'ai vu qu'il y avait quand même des personnes qui étaient là pour la sécurité et avec des armes, etc. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment bien. À l'époque, je ne les avais pas vus sur le quai. Mmh. Quand je me suis mise à hurler, il n'y avait personne, strictement personne. Donc déjà, je pense qu'ils commencent un petit peu à se rendre compte que c'est dangereux et qu'il faut mettre des personnes sur le terrain. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'on manque encore de justice. C'est ça qui est malheureux. De justice, ma Flora. Moi, genre, juste pour rebondir sur ce que tu dis, putain, j'arrive pas à parler sortie. Ou rebondis sur elle directement. Non, moi, je ne prends jamais les transports en commun le soir à Paris. En revanche, quand je vivais à Londres, je les prenais, mais sans aucun souci. Et parce que ça rejoint exactement ce que tu dis. Bah ouais, tu pouvais voir des gens tout faire l'amour. Jour, mais non, il y a toujours de la sécurité. Il y a des caméras partout, tu n'es jamais seule. Ouais. Franchement, tu marches toutes les 5 minutes, tu tombes sur quelqu'un de la sécurité. Et c'est ça qui manque à Paris. Bien sûr. Je sais que ça demande de l'investissement et je pense financier, c'est peut-être pour ça, mais vraiment, c'est ça. Mais en même temps, à Londres, tu es obligé, il y a vraiment un contrôle, donc personne ne peut rentrer dans les transports. Donc ils ont vraiment un système pour ça. Et puis voilà. Non, mais en France, maintenant, il y a ces enjeux de caméras dans tous les RER, ils en ont mis partout. Là. Oui, mais c'est moins que les caméras, ça peut aider pour après, mais sur le coup, Rachel le disait, ils mettent de plus en plus de moyens. Néo, pour finir, avant la prochaine question. Le changement des consciences, parce qu'il y a les gens qui ne font rien, mais il y a surtout ceux qui prennent leur téléphone et qui filment. C'est pire de tout. Au lieu d'agir, ils préfèrent faire une vidéo et pouvoir la partager pour essayer d'avoir un problème. C'est l'éternel, alors là, on parle des gens normaux, entre guillemets, mais c'est l'éternel problème du journalisme. Est-ce qu'il vaut mieux filmer l'enfant qui meurt ou le sauver? J'irai le sauver. Hein. J'ai une culture. Moi aussi, personnellement, j'irai le sauver. C'est toujours comme ça. Quand les mecs prennent les photos d'un enfant en train de mourir, ils ne sont pas en train de le sauver. Rappelons-en-nous. Ouais. Quel serait, pour finir, le débat la famille avant de recevoir Mana et avant de faire le petit blind test spécial? Le glagla, il fait froid. Oh, c'est beau. Pas mal, hein. Ouais, j'ai un petit air frais au niveau du. T'es dans le thème bleu-blanc, là. Du bas du dos. Quelles seraient les trois qualités d'un super-héros en 2018, à part son collant rouge? On fait le tour de table, Julien. Sauver son prochain, c'est bon, ça va, c'est bon. Voler, tu parles des pouvoirs, j'ai pas compris la question. Tu es pas sélectionné, mais c'est bon. Au niveau Rachel, humain, courageux et avec un super pouvoir, je sais pas, devin. Néo, non, humain, du bon sens et qui porte bien le slip. Ouais, évidemment. Sarah, aimer son prochain. Courage, je rejoins. Et je dirais en troisième, c'est être médium, pour voir ce qui va se passer dans la vie. Elle est en débat à la 100 000 degrés. Écoutez-moi. Aider son prochain, déjà, c'est une chose. Aider son prochain, déjà, c'est important, d'accord? Moi, je vais vous le dire. Je lève pas les bras, je transpire. Bon, Alexandre. Bah, moi, je pense que pour être un bon super-héros par les temps qui courent, déjà, il faut être black. On l'a vu comme dans Black Panther, c'est à la mode. Il faut être black. Il faut être une femme. Voilà, parce que, voilà, en ce moment, les femmes sont Et un beau costume. Et il faut avoir un costume, voilà, parce que tu es mon
super-héros. Ah mais voilà. Super-héros du cul. Apparemment, apparemment, Alexandre voit en toi une certaine Nadège. Je sais pas qui c'est, mais on l'embrasse. Ma Flora Nadège, elle fait, mais c'est ma mère. Flora, ouais, on t'écoute. C'est ta tante. Non, alors, je la trouve très dure, ta question, mais ouais. Je dirais drôle, parce que les gens ont besoin de rire. Je trouve que ça... Ouais, c'est vrai, d'accord. Je suis d'accord. Le mec, t'es piégé dans les flammes, il sent pas, mais il te balance des vannes. Du bruit la famille, c'était le débat du jour, c'était la famille news. On se retrouve dans un instant. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.